Bon, me revoilà YouTube. J'espère que ça va pas rebugger. J'ai attendu un peu. J'ai vraiment des gros problèmes de connexion. Désolé. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un en attente. Donc bon, je ne sais pas si cette personne va revenir. Donc voilà, j'ai débrief sur le mouvement des Gilets jaunes. Là, quand je disais, je viens de voir ça sur les réseaux sociaux. Je vois qu'il y a des gens qui postent. Ça commence déjà. Il y a Perpignan, il y a, je sais pas où ils ont bloqué les péages ou carrément les péages étaient gratuits. Donc ça c'est génial pour les gens. Donc franchement, j'espère que ce mouvement va aller loin. Donc voilà, donc là ça devrait aller, ça devrait plus trop bugger. Je l'espère en tout cas. Donc je sais pas s'il y a des gens qui vont me rejoindre. Enfin, en même temps, il est 20h. On me dit que les gens sont en train de manger à cette heure-là. Je suis désolée, je le fais un peu tard. En même temps, j'ai des gros soucis d'internet. En même temps, je ne suis pas tout à fait chez moi, on va dire. Donc, du coup, voilà, internet, ça passe pas quand comme je le voudrais. Donc, du coup, voilà, internet, ça passe pas quand comme je le voudrais. Donc, en tout cas, non, voilà, je suis à l'affût là de comment on appelle ça? Des réseaux sociaux. Je suis, comment dire? Disons que voilà, je reste sur l'actualité. On va dire que je suis l'actu. Voilà, c'est ça, je vais y arriver. Comment ça fatigue ce soir? Je suis l'actu, je poste. Voilà, pour ceux qui veulent, j'ai mon groupe Les éveillés à la réalité du monde. Quel monde pour vous, pour nous réveillez-vous? Ouais, c'est ça. Si vous voulez y venir, voilà, je poste toute l'info. Voilà, voilà. Après, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, on entend beaucoup souvent, mais là, je viens de voir des gens qui filment en direct. Ils bloquent les ronds-points, ils klaxonnent, ils disent ouais Macron démission, c'est un truc de donc là c'est que le début, c'est on n'est même pas le 17 qu'il y a du mouvement, ça commence énormément et je pense que je vais être encore surpris, je pense que je vais essayer de trouver d'autres gens qui postent ça, je vais essayer de voir un peu ce qu'il y a mais voilà c'est vraiment ça pour moi je suis quand même contente là donc par contre voilà j'ai rien y joué, j'espère que ça va aboutir encore. Faut croiser les doigts, faut rien lâcher, comme on dit. Voilà, il faut que ce soit sur le long terme. Donc, par contre, là, je viens de voir aux infos qu'il y en a qui ne comprennent pas le mouvement. Bon, tu vas me dire, à un moment donné, il faut sortir de nos gonds parce que Macron, il fait connerie sur connerie. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot. Bon, à un moment donné, on ne va pas rester là les bras croisés à rien faire. Il faut essayer ce mouvement. Alors, ça n'est pas garanti que ça marche. En tout cas, j'ai espoir que ça marche. J'espère que ça va marcher. Je garde espoir. Je pense que je ne devrais pas être la seule. J'espère que ce mouvement va marcher, que ça va être sur le long terme. Après, c'est sûr qu'on va embêter un peu des gens, mais en même temps, il faut nous comprendre. Hein. Enfin, le peuple, faut le comprendre. C'est du grand n'importe quoi. On a quasiment plus d'argent. On paye taxe sur taxe. À un moment donné, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Et moi encore, pour l'instant, bon, voilà, mais j'ai 23 ans. Je vais, à un moment donné, je vais travailler, je vais avoir un logement payé. Enfin, voilà, je suis quand même une citoyenne française. Même pour moi, plus tard, ça va être la galère. Il y en a qui galèrent déjà, mais c'est taxe sur taxe. Il augmente, il veut augmenter les péages, il veut enlever le chauffage à fioul. On est où? Et encore, je pense qu'il y a encore plein de trucs qu'il veut faire. D'ailleurs, sur son discours, voilà, il n'a pas laissé placer. Il a pas laissé parler. Le journaliste là, qui l'interviewait, c'est un manque de respect total. C'est pas parce que c'est le roi, ah oui, c'est le roi Macron, le roi Jupiter, c'est lui, c'est le roi, et il a tous les pouvoirs, il se croit tout permis. Mais c'est une honte. À sa place, honnêtement, j'aurais honte. Et je pense que je serais pas la seule à le dire. D'ailleurs, ça m'intéresse, voilà, dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à le dire. Donc voilà, après je sais que je m'y prends un peu tard pour faire ce live, mais c'est pour ça que je vais le faire court. J'espère que ça sera visionné. Voilà, je reste à l'affût des nouvelles et je vous reviens. Je vous reviendrai. Dès qu'il y aura du nouveau, des trucs, pourquoi pas refaire un live. Voilà. En tout cas, non, ça, je suis très contente, ça fait plaisir. J'espère que ce mouvement va aller loin. Je vois que ça commence déjà là. J'espère que ça va encore durer, que ça va marcher surtout. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. C'est une révolte, il faut quand même appeler la révolte là quand même.
On peut, là, c'est une question de survie, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas s'il y en a qui seraient d'accord. Peut-être qu'il y en a qui, ouais, moi encore, je vis bien encore. Mais pour combien de temps, j'ai envie de vous dire? Parce que ça risque de pas durer. Donc, pour combien de temps on va vivre? On peut plus vivre comme ça. À un moment donné, voilà, je vois que les gens se réveillent. Ça fait plaisir. Et j'espère qu'il y a encore des gens qui vont se réveiller, qui vont se révolter. On peut pas payer des millions de taxes. Il faut marcher sur la tête, là. C'est un monde de fous, quoi. Moi, j'en reviens pas. Franchement, je pensais pas être née dans un monde comme ça. Mais moi, je. Non, j'en reviens toujours pas. Là, je vois quelle personne qui regarde, je salue cette personne. Je vois qu'il y a un j'aime, c'est bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous faites comme moi, en ce qui me concerne, comme j'ai dit, moi, je vais faire voilà, dans le 17, et puis oui, le 17, je ne vais pas dépenser de sous. Voilà, je ne vais pas bouger. Je vais essayer de. Voilà, puis c'est vrai que là, je ne suis pas trop en condition pour essayer de manifester ailleurs, c'est vrai. Malheureusement, si j'étais en condition, j'aurais même pu bouger, quitte même à bouger comme ça, aller voir les gens et essayer de. Voilà. Oui, j'arrive. Du coup, voilà, je vais vous laisser. C'était juste un live. Alors, il y a quelqu'un. Oui, je suis d'accord. C'est un monde de fou. Écoute, merci, je ne sais pas qui c'est. Je referai un live de toute façon. Il faut que j'y aille, malheureusement. Voilà, comme je dis, je faisais que déconner, ça m'énerve d'ailleurs. Je reviendrai, je referai un live. Donc n'hésitez pas. Toi, je sais pas qui tu es, j'ai du mal à lire ton. Au pire, je le reverrai tout à l'heure. J'ai mis un like. Merci. Mada Power. Bah, écoute, si tu veux rester, à un moment donné, je reviendrai. Je sais pas quand, peut-être demain. Voilà. Et bon, bon courage à tout le monde. Bonne soirée. À plus. Ciao.